podcasts. Ah, il donne des, je crois, des trucs pour aveugler. Ouais, c'est ça. Ou électrique, d'ailleurs. Aucune pression. Bonjour. J'espère juste qu'ils sont pas deux. Ils sont pas deux. Salut Diablo! Bon bah c'est du GG Louisine, ça se joue un peu à la RE4. Ouais, ça se joue comme un peu comme RE4, ouais. Un peu plus moderne encore. Mais ouais, ça ressemble, il y a pas mal de côtés où ça ressemble à RE4. Ça a pas bien marché, ça. Bonjour. Au revoir. Derrière moi. Oh, fait chier. Parce que je vais faire. Mais non. Ah, finalement les grenades ça va partir. Hein. Yeah, la grenade ratée. Oh con. Je déteste les bombes là. Putain, elles marchent que pour moi les bombes. Ah. Oh putain. Qui met des pièces dans une salle de 9 mètres carrés. La banane. J'arrivais à déclencher les bombes sans me faire toucher à certains endroits. Oui, tu peux y arriver, ouais. Mais c'est vrai que c'est chaud. Parce qu'elle s'arrête tout de suite, tu sais. Donc c'est vrai qu'il faut rester assez longtemps pour qu'elle se déclenche et... Enfin bon, c'est un petit peu suicidaire. C'est légèrement suicidaire. Alors ce que je propose, c'est de faire ça en deux shoots. C'est-à-dire ça. Voilà. Et après, je l'attends. Vous voyez l'idée à la con, là? Je
C'était légèrement dangereux. Au moment, c'est la one shoté. Oh le con. C'est bon, on a hâte de me faire chier là. Ah, vous me dites, on peut lancer des bouteilles dessus. Je vois pas. J'ai essayé tout à l'heure, là, ça a pas marché. Ok, ça marche. Ah, c'est du gel. C'est vrai que ça peut être efficace le gel, mais faut rameuter tout le monde quoi. Il y avait pas une autre bouteille là? Il y a une bouteille sur la table. Là. Attends d'abord. Ça c'est fait. Voilà. Ah, faut une autre batterie. C'est quand même un monde où ces alcoolos ont pris le pouvoir parce qu'il y a des bouteilles de vin partout. Salut Trinita, comment ça va? Ok, à toutes, Diablo. Putain, je l'avais pas eu le piège. Alors. Voilà, ça sort pas trop mal. On l'appelle Trinita, c'est ça. On l'appelle Trinita. Super film hein, que je vous conseille fortement. Ou Mon nom est personne aussi. Mon nom est personne. Ah ça c'est du bon western. Comme on les aime. Putain c'est quoi cette vision de merde là? Je vois rien du tout. Ah je me sens mal. Pourquoi je le sens mal? J'ai vu des pièges là, enfin des appareils de... Voilà, le découpage. Est-ce que je suis assez con pour remettre le courant là-dedans? Apparemment. Je peux l'avoir là? Ouais. Oui, c'est moi. Il y a un piège dès le début, hein. J'espère que ça va pas se mettre dans ma gueule. Hein. Vite! Donc ça se referme derrière moi là. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde! Ah
Lâche-moi, bordel. Il fou. What? Qu'est-ce qui se passe? Toi, t'as pas une gueule. T'as pas une gueule d'amour, toi. Allez, on se drogue. Oh non, c'est quoi ça? Oh, d'accord. Alors, on va se calmer tout de suite, voilà. Ça va, vous êtes encore en vie? Vous faites de ma gueule? Wow. Ça marchera pas sur lui, ça. Ah si. Pas longtemps, à mon avis. Wouh! Dangereux, ça. Essaye de lui faire des feintes. C'est bon, t'es mort? Tu bouges plus, hein? Ah d'accord. Cours. Wouah. Ouh. Oh là, je vais me faire avoir quand même. Merde. J'ai paniqué. Ok, ça marche, à plus, Aster. Ah, je suis à voir comme un jeu là après. Ils reviennent pas? Là, non? What? Comment j'ai passé, moi? Comment je passe?
Ah, une échelle. C'est pas bon signe ça qu'on me donne un truc explosif. Tu l'as jamais utilisé? Je l'ai déjà utilisé deux fois je crois, deux, trois fois. C'est vachement efficace hein. Apparemment ça t'augmente ton maximum de barre de vie. Alors j'ai pas trop compris en quel sens mais j'ai pas eu ma barre de vie augmentée. Ah bah, t'es tombé dans un piège là, mon gars. C'est quoi ce bruit encore là? Ah, fragment de carte. C'est pas fini apparemment. Oh non, il y en a un deuxième! What? Ah, il y en a deux? C'est impossible. Je t'emmerde! Joupi, ça l'arrête, le mec est trop vénère. Ok, très bien, essayer de le tuer discrètement l'autre là. Ça va pas être simple. Ah, mais c'est quoi ce chapitre de ouf? Chapitre de la torture. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à les tuer, mais je vais quand même essayer. Ouais, je me suis fait exploser, c'est ça, Fire Mario. Oh le con. Allez les 3000 c'est par ici.
Le samedi, je ne pourrai pas être avec vous car je vais chez mon père. Ah, pas de problème. T'inquiète, de toute façon, samedi, je streamerai pas parce que. Déjà, à partir de. À partir de. Demain soir, normalement, je suis pas dispo donc je. T'inquiète, hein. Tout le week-end. Fêter l'avant. Le nouvel an. Là, je l'ai chopé dès le départ, je me suis pas emmerdé hein, à courir avec eux au cul. Ça me bénéficie surtout des pièges. Vas-y, j'avais cassé les caisses derrière. Ouais, c'est bon. On se casse. Juste qu'il n'y en a pas d'autres comme ça parce que j'ai plus de snipe. Par contre, eux, comme ils sont aveugles, ça leur fait rien les flèches aveuglantes. Même après le jour de l'an, si toi tu seras pas dispo. De toute façon, moi je pense que je me rentrerai chez moi le 1er janvier. Dans la journée. Après, j'ai encore le 2 janvier donc. De vacances. Je streamerai peut-être le 1er quoi. Et le 2. Oh, je sens mal. Ah, c'est bon, je suis revenu. C'est bon, je suis revenu. What? Être tendu s'il faut l'affronter directement. Mais non, mais elle est morte, elle. Loul. Elle est morte, Laura. Déconnez pas. Mélodie. Tout ce que je possède, tout ce que je suis, m'a été arraché depuis cet accident par ceux qui cherchent à m'éliminer. Là, dans les ténèbres, seul parmi les fantômes qui hantent mon esprit, qui me narguent,
J'ai failli me perdre complètement. Et puis je l'ai vu. Une part de moi savait que ce n'était qu'une illusion. Mais je retrouvais mon visage. Je reprenais ce qu'on m'avait volé. Je la sauvais. Journal de Sébastien Castellanos, 27 février 2012. J'ai déjà perdu des amis et des collègues, cela fait partie de notre travail. Et ce n'est jamais facile, mais perdre son enfant est une expérience traumatisante. Je donnerais ma vie 1 million de fois pour pouvoir l'éviter, mais je ne peux pas. Quand le petit cercueil a été inhumé, je me suis senti infiniment impuissant. La douleur était insupportable. Je sais que je ne devrais pas. Mais seul l'alcool m'aide à m'endormir depuis plusieurs semaines. Je me fais du souci pour Mira. Une fois le choc initial passé, son deuil est devenu particulier. Elle souhaite être seule et veille toutes les nuits. Elle dit qu'elle travaille pour s'occuper l'esprit, mais on dirait qu'elle se referme complètement sur elle-même. Je sais très bien ce qui arrive généralement aux couples qui perdent leur enfant, et j'espère que nous serons assez forts pour éviter cela. Et donc, c'est pas joyeux, hein? Vous avez oublié quelque chose ? Tu me cherches, hein ? L'avocat de la famille Victoriano, aperçu pour la dernière fois avec un homme supposé être un client. Ah, c'est intéressant parce qu'il y a des missing, des gens qui disparaissent. J'en avais vu au début, mais je devais être mal placé, je pouvais pas les attraper. J'avais pas compris qu'on pouvait les prendre des avis de recherche. Ok. Ah, je suis chaud. Elle est où là? Que je la route une deuxième fois. Grosse ambiance. Oh non! Non. Dis ça pour rigoler. Alors, reste dans ta cage, s'il te plaît. Reste dans ta cage. Possible. Je l'ai déjà tué une fois, pas me la remettre. Je crois que j'ai une seringue, non? Non, j'ai pas de seringue. Par contre, j'ai mon âme. Mauvais quand même. Hein. Ça pue. Non, 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 non. Je peux rien faire, hein. Parce qu'il y a des cadavres, j'ai vu à côté. Elle peut se régénérer quand même. Pardon?
Quel con. Il a pas du gain. Oh my god. T'es sûr que ça va suffire à la bloquer? Non, parce que... elle peut se TP, elle peut passer par le sang. Ah putain, on peut ramasser des allumettes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des cadavres à brûler. J'ai rien. Enfin, j'ai rien, je parle en termes de... en termes de soins, j'ai rien du tout. Ah. Pas mal ça comme sécurité. C'est censé l'enlever ou c'est censé le remettre? Faut que je rappuie sur... ah non, je peux pas le remettre. Bah... oui. Allô. Un truc que j'ai pas vu. Ah. Non. Oh merde. Saloperie de merde. Faut rajouter ça, de merde, tu vois. Ouais, de merde. Mais non. Mais non. J'allais dire je suis invincible sur l'échelle, mon cul, oui. Coucou Laura. Quel avare tu es. Insensible aux balles. Oui, bah c'est parce que, voilà, j'ai envie de lui mettre 2 balles dans la gueule. C'est gratuit. Ça mange pas de pain. Merde. Oh là, elle a fait une accélération là. Oh la cochonne. Ah, je l'ai pas vu.
tire sur quoi le jeu? Ah, je le vois, je le vois. Je le vois, mais je vais mourir. Parce qu'il fait une roulade tout seul comme un con. Yo, salut Max. Mac Circle. Merde, y'a des cadavres. Quoi? Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se ramasse en plus, lol. Merde. Oh merde. Pas de soin. What? Oh merde. Oh merde. What? Il est où le truc là? Elle est là? Oh merde. Bah bon là? Mais non, mais attends. Ah, au secours! Ah merde, y'en a un autre là. Non! Non! Oh 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 oh! Oh l'enfer. Oh si ça arrête jamais. Putain déjà, ça c'est gratuit. Oh merde. Mais non. Oh my god. Oh my god. Oh là là, je sais pas où je vais. Je sais pas où j'habite. Là là là, vite vite. Ah merde! Non! Allez, allez, débat-toi, débat-toi! Oh my god! Ah au moins regarde.
Non, 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 déconne pas, déconne pas, déconne pas, déconne pas, déconne pas, déconne pas. Ah, elle m'a touché le cul quoi. T'emmerde! Le jeu, je t'emmerde! Putain, j'ai oublié la bombe. Ah, mais il est dégueulasse ce jeu. Oui, mais je joue le jeu. Bon. Je pourrais lui tirer dessus, mais. On va dire que je suis équipé pour la tuer, logiquement, mais bon. Enfin, peut-être. Je suis peut-être équipé pour la tuer. Mais bon, autant jouer le jeu quoi. Ça rajoute du piquant quoi. C'est que bon, quand tu sais ce qu'il faut faire, ça va. En fait, j'ai l'impression que dès que. Ah putain, non. Je vais dire un truc. En fait, non. Je vais dire qu'elle peut se taper dès qu'elle récupère un cadavre, mais en fait, pas. C'est pas forcément vrai. Genre grâce au pouvoir du sang quoi. Mais on voit déjà que ça lui fait mal là. La bombe. Tente. Passage en force. Ça l'a brûlé? Genre ça l'a pas brûlé. Oh jeu de merde. Oh c'est un cul-de-sac de merde. Mais non, le jeu. Oh, le jeu respecte moi. Oh my god, l'angoisse. Thank you.
Pourquoi vous la supportez pas? Oui, en effet. Deux fois quand même. Deux fois, voilà. En plus, là, c'était ignoble parce que quand je déclenchais le feu, là, les fourneaux, ils explosaient. J'étais obligé de me brûler, quoi. En fait, j'aurais dû passer sur elle, carrément. Mais c'était trop dangereux. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Je sais qui tu es. Seb. Ok. Je sais ce que tu désires. Ce que tu crains. Pourrais-tu vivre sans remords en sachant ce que je vais te faire faire? Ce pauvre Joseph n'a pas pu. Dommage qu'il t'ait entraîné là-dedans. Quoi qu'il en soit, je ferai ce que je veux de toi. Comment on le bat, lui? Faut trouver son corps. Merde, on peut pas y aller, hein? Ok. Je suis revenu là. On revient dans le manoir. Ah, ça c'est la blague. Mais du coup c'est le même endroit ou... c'était pas là la sauvegarde? Merde. Ah, parce que là je me suis fait avoir, là j'ai plus de seringue. Comme d'habitude. Non. Ah, je suis sûr qu'on peut rien ouvrir. On tente, hein. Et si je reprends l'ascenseur? Ça marche? T'as le cauchemar, quoi. Doc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'allais dire tue-le là, je pense que ça va nous sauver. Vraiment? Parce qu'on dirait plutôt que vous essayez de faire un autre monstre. Je n'ai pas de temps à perdre, inspecteur. Bah si, t'as du temps à perdre. Et moi non plus. Bien sûr que t'as du temps à perdre. Leslie a survécu à cela. Avec succès. Il a déjà été connecté à Ruvik. C'est un cas unique, à ce que je sache. Merveilleux. Et qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Il est la clé, inspecteur. C'est notre seule issue. Soignez. Non, ça fonctionne. Tu me sois loué, ça fonctionne. Ah.
Leslie, est-ce que ça va? Mais pourquoi? Pourquoi ça va pas? Holy shit. Ah, c'est lui là. Espèce de monstre dégueulasse. Mais oui. Bien sûr. Docteur, vite. Bien sûr quoi? Tu vas mourir là. Il cherche la même chose que nous. Il veut s'échapper. Oh la vache. Oh. Ok. Merci pour l'os, Ratchet, ça fait plaisir. Salut les gens. Yo, Kit. Comment ça va? C'est de la PS4, c'est de la PS4, hypnotique. Alors. Tac. Hey, je sais que vous êtes là. Écoutez-moi, dans un chien. Je sais pas où il est, mais... Ah. Ah merde. C'est dégueulasse, j'allais sauvegarder. Non, je peux toujours. Il y a un mec qui fait du bruit là. Casser un terminal STEM? J'aurais jamais cru ça de lui. Attendez, un STEM? Oh, il est près du but pour couper tous les liens avec le passé. Tout ce qui lui reste, c'est sa connexion au présent. Au STEM original de l'hôpital. L'hôpital? L'hôpital psychiatrique Beacon? Il sera là. Il l'attend, lui. Si quelqu'un n'y arrive pas en premier, il n'y aura pas d'issue pour personne. D'accord. Vous empestez le sang. Merci. C'est gentil. Moi aussi, vous m'avez manqué. Disparu, Marcello. Docteur Marcello Jiménez. Ah bah ouais, là, il est mort, là, il vient de disparaître. Directeur du personnel à l'hôpital psychiatrique Beacon. Aperçu pour la dernière fois dans son bureau où il a passé plusieurs appels.